Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vous savez que quand on est dans la voiture, c'est une vidéo banger. Je suis avec Myriam. Dis la boss quand même. Non, t'es pas la boss, arrête de croire que t'es la boss. Salam la famille, fais comme moi, c'est un film de gang. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais les manger, tellement j'ai grave faim là, explique le concept. Le concept est simple. Aujourd'hui, on mange tout ce qu'on voit. Oh, c'est sûr que l'hiver c'est meilleur que l'été. Mais Myriam, l'hiver c'est carrément mieux que l'été. Au moins en hiver, ouais, on n'a pas besoin de sortir, là, on serait chez nous en train de jouer à la play. Écoute. En été, il y a personne dans les magasins, y a personne dehors. C'est vrai que là, les gars, c'est vraiment vide. Mais non, mais qu'est-ce que les gars, on est venus pour manger, elle me sort des échecs. Les échecs, ils font ta taille, frère. Eh, moi, mon ventre, il est vide. Je peux pas jouer quand mon ventre, il est vide. C'est pas possible. Mais juste là, je commence à stresser. On voit aucun magasin. C'est vrai, les gars, regardez, là, il y a la grande récré. Là, je sais pas ce que c'est. Viens, on continue d'avancer. Bon, en vrai, vas-y, bah avance par là. Vas-y. Oh, je viens de repérer le premier camion. Il y a des crêpes. Ah non, on va manger des crêpes dès le matin. Je vais demander, bah c'est grave bon. Mais non, mais les crêpes, c'est claqué. Excusez-moi, on voudrait avoir des crêpes, s'il vous plaît. Ah, mais je crois qu'il est pas là, le monsieur. On mange pas de crêpes. Myriam, continue ta route. Des gaufres. Il y a pas de gaufres, il y a pas de crêpes, continue ta route. Ouah, lui, je trouve encore un autre restaurant Starbucks. Oh non, les gars, elle a vu Starbucks en premier. Ah bah ça va grâce Starbucks. C'est quoi Starbucks déjà? Starbucks, c'est là où il y a des latés, il y a des graves, des trucs comme ça. Vas-y, bon, on va commencer pour ça par le matin. En fait, je sais pas c'est quoi un latté. Un latté, moi je crois que c'était une claque. Voilà, il y a des trucs comme ça, regarde là. Il y a des trucs comment? Comme ça. Ok les amis, bah, bon, la boisson rose, c'est une nouveauté, faut comprendre. Ce sera Starbucks pour commencer. Y'a quoi? Ça a l'air incroyable. Ok, vas-y, c'est parti. On a la dame, leur meilleure vente. Ouais. Oh, en plus, on est les seuls clients. Oh, ça n'est pas trop. C'est l'odeur du café. Check. Donc les amis, on va commencer par ça dès le matin. Ok, ouais, des petites. Il y a des. Oh, regarde ce qu'il y a ici. Les petites pâtisseries. Tu vas prendre quoi, sucette? Ouais, c'est grave. C'est une dinguerie, les gars. Il y a aussi des boissons là-bas. C'est grave bien. Ouais, mais crois pas, je vais manger ici, je pars à la bibliothèque. Non, moi aussi. Arrête, Myria. Moi, je savais pas qu'à Starbucks, il y avait aussi du salé, c'est une dinguerie. C'est quoi? Egg, muffin, bacon. Tacos vegan, les gars. Ils font des tacos Starbucks? Oui. Ouais, je te fais confiance, tu prends des bons trucs, s'il te plaît. Alors, on va vous prendre un muffin double chocolat noir fumé, un cake pistache, un cinnamon roll. On est en train de dévaliser la boutique. Toi, tu vas te prendre quoi? Après, je vous prends une petite chocolat blanc, un donut blanc aussi sur place. Mais comment tu vas manger tout ça? Comment tu vas manger tout ça? Moi, j'ai des petites sœurs normales, mignons. Regardez ce dinosaure, tout ce qu'elle a pris. On mange tout ce qu'on voit, non? Ouais, mais toi, c'est une dinguerie. Même le vendeur, il a dit, mais tu vas vraiment manger tout ça? Il a dit, faut avoir 4 restaurants. C'est une dinguerie. Ah, mais Starbucks, c'est trop les trucs américains, ça, non? Ouais, déjà, on va l'ouvrir pour voir comment il est à l'intérieur. Ok. Oh là là, bien légumineuse. Et les amis, on crie une pile. Incroyable, les amis. Par contre, je te dis la vérité. Hein. Ouais. Des fois, c'est beau, mais c'est pas bon, donc je sais pas comment ça va être. On va goûter ça tout de suite. Oh, moi j'aime bien parce que là, on mange de l'herbe. Ça c'est carré ça. De l'herbe? Ah oui, regardez, c'est de l'herbe. Après un tacos à l'herbe. Sachant que ta faim elle est de combien? De 10. 10 sur 10. De vrai, le tacos il est bon. L'herbe en fait ça gâche tout. L'herbe ça gâche tout. Hein. Ouais. Toi je sais, t'aimes pas les légumes. C'est végétarien. Il y a des oignons crispy et il y a du cheddar. Je sais pas si c'est de la viande végétarienne, si c'est de la fausse viande en gros. Pour ceux qui mangent pas de viande, ils leur mettent ça. Mais... là, on va attaquer à une des deux. Oh, regardez, c'est fourré. C'est incroyable, il y a une sucette au chocolat blanc, chocolat noir. On commence par laquelle? Des loups, face. Oh, c'est magnifique par contre. À tout moment, c'est beau mais c'est pas bon. Bismillah. Je sais pas si c'est fourré à l'intérieur, les gars. Ah, c'est comme un cookie. Regardez, c'est comme un cookie. C'est comme un brownie à l'intérieur. Ah ouais? Tu sais que ça coûte au moins 4-5 euros. Ça, c'est grave cher ici. Carrément, je retape un croc. Wesh, elle l'a fini en un croc. Mais c'est trop, cet enfant. Moi, les gars, si je serais à sa place, j'aurais pris ça, ça, et j'aurais tapé un meilleur croc. Mais ça se fait pas, ça se fait pas. Donc, le donut, je suis choqué. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment gros. Je vous voyais pas à la vidéo, mais il est vraiment balèze. Est-ce qu'il est fourré? Un tintin. Non, il est pas fourré. Moi, vous inquiétez pas, mon sac il est là, je vais manger à la maison, j'aime pas manger en public devant les gens, je suis timide. Oh là là, elle a l'air de se régaler. Hein. J'espère aujourd'hui tu vas avoir des bons trucs, hein, parce que là c'est que le premier repas de la journée. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est si bon que ça? Non, ça, on dirait c'est Oreo. Je pense, si c'est Oreo, c'est une masterclass. À l'intérieur, c'est pas fourré. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est coupé en fait, c'est cassé. Ah, c'est pas comme les gâteaux arabes, on aurait dit. Il est mieux que le lait, c'est au Oreo. Reste là, je vais voir si les boissons sont prêtes. Les boissons sont prêtes, regardez, c'est incroyable. C'est quoi ces boissons de malade mental? Donc là, Myriam, je suis désolé, mais la boisson, je vais la manger sur place. La tienne, c'est celle avec sans rien au-dessus. Comme par hasard. Fallait prendre un supplément, c'est merci. Ah, c'est comme une glace, en fait. Et là-haut, c'est de la chantilly. Ouais, je valide totalement. Non, t'as une autre paille, prends pas ma paille. Oui. Mais pourquoi toi, comme par hasard, t'as du chocolat dessus et pas moi? Parce que c'est le monsieur qui m'a conseillé. Je sais pas si ça sera le même goût que moi, toi. En fait, je crois qu'il n'y a pas trop de goût vers la fin. Je vais te goûter la chantilly. J'ai fait un trou. Vers la fin, je crois que c'est du chocolat chaud. Myriam m'a fait goûter son sundae. Il est dégueulasse. C'est la vérité.
Il est éclaté au sol. Elle a dit quoi au monsieur? Monsieur, conseillez-moi le meilleur. Il t'a donné. Il est éclaté. Comment tu fais pour manger ça? Hey, gars, vous voyez le monsieur quand il m'a dit, choco-noisette, crème chantilly, pas chocolat au lait, incroyable. Moi, je pensais que ça allait être une dinguerie. Je regarde, je me dis, ouais, ça a l'air une dinguerie. Du coup, c'est bizarre. Et ben, en fait, lui, il m'a pas donné le truc le plus beau, il m'a donné le truc le plus cher. On sent mieux à la maison. Moi, les gars, j'aime pas manger dehors. J'aime pas, je peux pas prendre mon temps. Et en plus, je vais faire des trucs que les gens, ils vont dire, ils vont me juger. Donc là, les amis, j'ai mon café latte là qui a bien refroidi. Je l'ai laissé dans la voiture. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester 3 pâtisseries. J'ai pris des trucs que je prends jamais comme ça. Vous pouvez tester. Parce que Starbucks, c'est vraiment cher. Ah, là, on a le. Comment ça s'appelle? En vrai, ça a la forme d'un cake. Ça a la forme d'un cake. Vas-y, on va goûter ça. Bismillah. C'est bien sec. C'est sec. T'as l'impression de. Oh, il est où le jus? Mais il est au milieu. Ah, genre en mode le meilleur truc, c'est le milieu. Ouais. Ok, on va voir ça. Bismillah. Ah, j'ai capté. Dans ce gâteau-là, la famille, le milieu, il est archi bon. Mais ici, c'est archi sec. Donc, on va mettre une petite note de 6 sur 10, les amis. Ensuite, là, on a un cake à la pistache. Regardez, il est vert. C'est pas qu'il est malade, hein. C'est juste que c'est à la pistache. Et la pistache, un jour, Sofiane m'avait fait goûter un croissant four à la pistache. C'était une masterclass. Et moi, ce que je vais faire, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas aller dehors. Si je fais des trucs comme ça, les gens vont me juger. Maintenant, on trempe. Oh là, c'est là. Surcoté. On sent même pas la pistache. On sent même pas la pistache. C'est du gâteau normal que maman a fait. Ah. Ok, pour l'instant, 7 sur 10. Et le dernier, le chocolat, les gars, c'est la vie dans les pâtisseries. Et ensuite, on ira prendre du salé, j'espère, pour le prochain repas qu'on va voir. Oh, viens voir. Pop, 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 pop. Là, par contre, là, j'aime bien. Bismillah. Oh, ça me donne envie de faire. J'ai mangé un gâteau au chocolat, il était incroyable. Mais c'est pour ça qu'il peut pas manger dehors. Regardez qu'est-ce qu'il fait quand tu manges, on dirait un fou. Vous, vous croyez trop? On mange toute la journée et on grossit pas. Non, on va aller rejoindre Yacine. Les gars, coach Yacine, il est énervé contre nous. Il a dit, vous faites que de bouffer, venez au stade. Donc là, les amis, on va essayer de rejoindre Yacine pour éliminer un peu les gâteaux qu'on a mangés. Ouais. Parce que moi, tu vois les abdos là, faut courir. Si tu cours pas et tu manges, tu deviens comme elle. Il est malade lui, c'est lui le plus gros de la famille, il dit ça. Il est malade lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, Yacine, il est au stade, il est en train de jouer. Et on va voir. Il fait un investissement, c'est bizarre ça. Ah, Yacine, tu fais quoi? Ah, Amine, tu vois eux deux là? Ouais. Ils pensent qu'à manger. Que ouais. Ils mangent des tacos et des pizzas et tout. Ouais. Et là, j'aurais dû venir faire du sport parce qu'ils pensent qu'à manger. J'ai l'air de faire du sport. Fais du sport. Faut faire du sport un peu. Hein. Toi, pour la peine, pour la punition, pour la peine, toi tu vas jouer avec Amine, vous allez faire d'un 2 contre moi. Ok, y'a pas. Taclez-le, lui, il fait trop le malin, il fait genre, il fait du sport. Non. Oh, allez, non, vas-y, marquez-lui. Non, on peut pas y aller, c'était malade. Oui. Oh, il campe au cage. T'as pas le droit de rester au cage, Amine. Non. Voilà. Ça, c'est vous voyez tellement ils mangent des tacos et des pizzas. Comment ils sont nuls. Oh, faut pas dire que je suis nul, hein. Myriam, lève-toi. Comment ça, moi, je suis nul? Viens, on va un V. Alors là, Oh, Ose dire que moi, je fais pas de sport. Je suis un prodige dans mon domaine. Je suis un prodige. Et c'est pas de ma faute. Moi, je suis contre. Regardez sa taille. Regardez son gabarit. Contre Ronaldo, tu peux le dire. Un bébé de 5 ans. Obélix, tu peux dire Obélix, t'as le droit. Viens la prendre. Ah, toi, t'aimes bien. Vas-y, viens la prendre. Allez, hop, c'est bon. Parlez plus. Mais... Je mange ce que je veux, j'ai le droit. Je vais m'occuper du repas du midi, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le Instagram de Younes. Ouais. La première chose que je vois sur la barre de recherche, ça va être ça que vous devriez manger. Oh non, va pas sur mon Insta, non, okay. Non. Oh, je suis tombé sur une pizza. Attends, mais je comprends pas. Les gens, ils suivent des footballeurs, ils suivent des influenceurs. Lui, c'est le seul qui suit des pizzas. C'est grave, hein. Ils sont plus bas pour voir qu'est-ce qu'il y a. Attends. Encore une pizza? Mais quoi? J'aime bien regarder des trucs comme ça sur Instagram. Ouais. Encore une pizza? Les gens à la base, ils regardent autre chose. Mais mon frère, lui, regardait de la nourriture. Une dinguerie, ça se voit tous les soirs avant de s'endormir de regarder que des pizzas. Moi, je vous dis la vérité, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que ça aurait pu être des brocolis ou ça aurait pu être du thon. Mais là, vous êtes bien. Ça aurait pu être un footballeur. Les pizzas sont arrivées. Et commencez même pas à dire. Oh, quand il va dormir, regarde des pizzas. J'ai le droit. Je kiffe les pizzas, les amis. Première pizza. On a. Oh là là, mais elle est blanche comme la dame blanche. Est-ce que vous connaissez la dame blanche? Deuxième pizza, les amis. Oh là là, celle-là, mon gars, elle est pas blanche, mais elle est bien bronzée. Watch. Attends, ça va pas se passer comme ça. On va faire un défi. Celui qui fait un kill, il a un croc dans la pizza. Mais tu sais très bien que je suis nul à Fortnite. J'ai trop envie de faire ce défi, ça tu l'as fait avec Omar, mais pas avec moi. Un kill, un croc. Ouais. C'est parti. Pour faire une bonne game, on doit prendre un bon skill. Mais pourquoi t'as pris lui, Myriam? Bah, c'est trop tard. Hey, un kill, un croc, tu te fais tuer, c'est moi qui ai le croc. Si je gagne, je vais faire ça comme danse. Tu penses que tu fais top 1 là? Ouais. Il y a pour l'instant, moi je vais. Arrête, commence même pas à tricher là, je rigole pas avec toi. S'il vous plaît, j'espère, elle se fait fumer comme ça je peux manger la pizza. Je me mens au cœur. Comme ça je peux manger la pizza. Il est où? Mais je le vois pas!
Aïe 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 aïe, il est juste en bas, il marche, il va monter l'escalier, il va te déglinguer. Je stresse à ta place. Tu stresses à ma place? Ouais. Wesh. Oh 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 oh. Elle est en train de te faire tirer dessus. Oh là là là, les gars, courez, courez, courez. Je suis foutu, je suis foutu. Yeah. Aussi, c'est le compte à Yacine. Yacine, c'est un pro. Ça me rappelle trop des bons souvenirs. Fortnite, une bonne pizza avec Omar. Oh, du coup, là, j'ai gagné moi. Oh, en plus, il y a de la sauce. Regardez là, il y a de la sauce. La prochaine partie, elle va commencer. Je sais, t'inquiète, j'ai le temps. Non, t'as pas le temps. Bah, je m'en fous, elle a l'air pas bonne. Wallah, elle est fabuleuse, délicieuse, onctueuse. Tu vas me sortir tous les termes là. Tu veux qu'on se marie ensemble? J'ai carrément envie de me marier avec elle. La crème fraîche, elle est trop bonne. Il reste pas beaucoup de temps, ça a commencé. Attends les gars, je reprends des forces. Je suis obligé de prendre des forces. Mmh, les pizzas, c'est trop la vie. Vas-y, j'espère qu'elle va se faire spoil comme ça. Je goûte à ma pizza, elle a l'air incroyable. Est-ce que tu veux faire un croc d'échauffe? Oui, c'est vas-y, je te laisse un croc d'échauffe. Oh. Vite, vite, il me reste 26 secondes. T'as un croc d'échauffe, un croc d'échauffe. Oh. Vous avez vu comme je suis gentil, les gars? Un croc, parce qu'elle est un peu nulle à Fortnite. Un croc, c'est tout. Un croc, un croc. Wesh, 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 doucement, doucement, doucement. Bon les gars, il est de mes contrats pro. Yes, yes, yes. Oh du coup, c'est trop bien. J'ai un croc, je vais me cacher comme à l'époque. Vas-y, là, c'est grâce à la première partie, et puis il gagne déjà. C'est trop bien. Ah là là, les gars, je suis toujours aussi fort à Fortnite. Là, on prend bien ici, là. Regardez, là, ça va être un méga croc. À chaque fois, les abonnés, je vous dis, je fais des meilleurs crocs que vous. Regardez, c'est quoi un professionnel? Bismillah. Un professionnel, c'est ça que t'appelles un professionnel? Mais là, je force même pas, là, c'est un croc de plaisir, c'est un truc de ouf! Deuxième kill! Tuez-le, tuez-le! Les gars, là, il y a un coffre, si j'ai un truc légendaire, c'est sûr, je vais encore faire un kill. Non, grave. Oh, mais c'est grave nul! Qui se fait tuer? Une sorte de pizza, t'as trop la rage, mia! Ton vieux petit croc, là. Plouf, plouf, ça sera toi, mon ennemi juré. Vas-y, prends ta pizza, arrête de me narguer, là. T'as pris deux parts, ça c'est deux parts, c'est pas une part, c'est deux parts, ça, mon frère. Vous voyez là, vous voyez là, je vais pas faire un gros croc, je vais faire un croc de plaisir là. Là, il y a grave des. Vas-y, fais ton croc de plaisir pour voir. Oh, le vieux petit croc de plaisir. T'es en train de faire quoi là? C'est un croc, pas 1800 crocs. Myriam, j'ai un dernier défi à te proposer. Si tu réussis ou si je réussis, on prend toute la pizza, c'est bon, j'en ai marre des kills. Oh, okay. On cite un aliment qu'on peut mettre dans une pizza, celui qui en a pas, il a perdu. On peut dire tous les aliments du monde. Tous les aliments, je commence. Okay. Champignons. Nutella. Quoi? Oui, une pizza. Fromage. Raffaello. Poulet. Mozzarella. Pepperoni. Sauce tomate. Sauce crème fraîche. Ah, j'ai ça, sauce crème fraîche. Nutella. Boursin. Tu l'as déjà dit, non, j'ai gagné. Ah, yes! Ça, tu mets de la Nutella dans une pizza, mais tu dis non. De la Nutella, t'es pas français, toi. Hein. Mais c'est une Nutella. Le Nutella. N'importe quoi. Le pot de Nutella. La peau de Nutella, quand même. Dans ma haine, je sais pas dire Nutella, mais je sais manger des pizzas. La dernière, les gars, la dernière, après, on passera au prochain repas. Je vous promets, les gars, voilà. Après la troisième part, c'est une des meilleures pizzas que j'ai mangé de ma vie. Après la troisième part? Eh non, 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 je te promets. Eh, touche à ma pizza, tout. J'attends que tu le fasses. J'attends, hein, j'attends. Vas-y, croque, vas-y, vas-y. T'as dit qu'il y avait du Raffaello dans une pizza? T'as pas honte? Myriam, je rigolais. Ça va. Non, fais pas ça, moi j'ai même pas fait ça. Bah, si tu commences à faire ça, bah, ça, c'est bon, ça va partir en. Bah, vas-y, j'égalise. Allez, j'ai une égalité. Non. Quand vous étiez petit pendant les vacances. Oh, j'ai une idée. Elle nous fait une bataille de pétards. Quand on était petit, on faisait des batailles de pétards, c'était trop bien. Ah, en gros, on va acheter des pétards et tout. Ouais. C'est des pétards de malades qui volent et qui font pas. Non, on y va. Myriam, t'es partante? Ouais, vas-y, juste pas de blessé. Non, on va faire doucement. On va au magasin, on va voir s'il y a des pétards. Pour faire une vidéo pétard, bah faut aller au magasin en acheter quand même. Tu penses que dans ce magasin là, il va y en avoir? Bah ouais, je pense. Vas-y, go. Ah, peut-être tu vas m'acheter des bonbons. Quel bonbon? T'inquiète bien. Ouais, on est les premiers clients, y'a personne. Ah ouais. Le magasin il est désert. Eh ouais, on dirait un film d'horreur. Bonjour. On est les seuls? Non, il y a des gens. Ah, ça fait trop peur. Ah, ils sont là. Excusez-moi, c'est ici tous les pétards? Oui, juste que c'est interdit à la vente. Ah, c'est interdit à la vente? Ah, ok, bah c'est interdit à la vente, les amis. Ah, en fait, on est retourné au magasin, on avait bien trouvé des pétards, il y en avait. Il y avait des pétards de malade. Ouais, il y a même des fumigènes. Mais en fait, ils ont dit que c'est interdit à la vente jusqu'au 15 juillet. J'ai pas compris, bah du coup, le 13 juillet, on peut plus faire de pétards? Non. C'est quoi? On va pas s'abandonner vaincu, on va dans un deuxième magasin. Là, je t'emmène dans un deuxième magasin. Je sais pas si ça va être interdit encore. Hein. J'espère qu'il y aura des pétards. Bon, après, c'est un magasin d'enfants. Comment tu ouais, mais normalement, il y a des pétards dans ça, t'inquiète. Vas-y, rentre. Ça va, tu vas bien, tranquille, la foire à la pêche. Toi, mets-moi un coup de marteau, je te mets un coup. Normalement, ils sont. Elle est malade. Normalement, ils sont à la caisse. À la caisse.
On vient de sortir du magasin, mission échouée. Il y a pas de pétards, je sais pas pourquoi en France pendant 3 jours c'est interdit de vendre des pétards. C'est vraiment une dinguerie, genre là il y a pas de pétards partout. Mais c'est pas grave, on va attendre quelques jours inchallah. Mettez un max de likes à cette vidéo et je vous promets on fera quoi, une vidéo bataille de pétards. Un autre jour quand on pourra en trouver. Pour le dîner du soir, j'ai trouvé une idée de ouf. Je vais ouvrir sur mon application Uber Eats. Le premier restaurant que je vois, c'est ce que je graille. J'espère qu'il va tomber sur des légumes, des brocolis. Arrête ouais. Les gars, bismillah, allez je clique. French cantine. Il y a le mouline, le premier plat que je vois. Ça tombe sur... C'est quoi Yacine, c'est quoi? Des pâtes à la bolognaise. Oh, des pâtes. Après c'est grave bien les gars. Il s'en tire super bien parce qu'il a failli tomber sur les légumes. Mais lui, j'ai pas fait exprès les gars, je vous promets que j'ai pas fait exprès. Mais pourquoi ouais, je te connais, ouais bah oui. Wallah, j'ai pas fait exprès. À la base j'ai commandé des pâtes. Ouais. J'ai commandé des pâtes et un petit steak mais et des déjà, légumes. Mais déjà deux plats, c'est beaucoup alors mais trois. Mais pourquoi ils m'ont mis trois? Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Eh ça trouve qu'ils commandent tellement chez eux qu'ils se sont dit ah c'est Younes. C'est pas grave les gars, aujourd'hui dans ce 24 heures, vu qu'on mange tout ce qu'on voit, je suis un Italien. J'ai mangé des pizzas maintenant, des pâtes. Les haricots c'est pas italien. Mais comment ils font les gars pour les Italiens pour avoir des pâtes aussi grosses? Et moi je peux mettre mon doigt dans la pâte, c'est une dinguerie. Quoi donc là? Pourquoi tu mets ton gros doigt sale là? Voulez-vous m'épouser? Pourquoi tu mets ton gros doigt sale là dedans? Attends, faut bien goûter. Ça me fait penser à la cantine. Prends de la viande là-bas. Ok, on va mélanger le combo parfait. Viande, fromage, pâte. Bismillah. Après on prend un champignon. J'ai un seul truc à dire. Myriam, regarde-moi bas dans les yeux. Les pâtes, c'est trop sous-coté. Ça peut être aussi bon qu'un tacos ou qu'un grec. Tu me crois? Non. Mais je comprends pas. Moi, quand je mangeais des fast-food, il n'y avait pas de pâtes. Les pâtes, c'est pas des fast-food. C'est comme des légumes. C'est bizarre qu'il dit que c'est bon. Moi, j'aurais compris si ça aurait été des pizzas, des tacos, des grecs, mais des pâtes, wesh. Mais les amis, ça fait pas partie de l'Italie, par contre. Ouais. Je vais juste prendre ça. Ça, c'est mon côté arabe qui sort. Si tu racontes. On trempe. On prend tout comme ça avec une pâte. Là, il vient. Dommage, je suis pas italien. Pourquoi je suis algérien? Non, je rigole. Ne redis plus jamais ça, sinon je prends le... Là, c'est non, le non, pas non, pardon, je pardon. Te la mets dans la tête. Non, pardon. J'aime l'Algérie. Ouais, tu trouves pas l'Algérie. Miram, je sais ce que tu vas faire pour savoir ce que tu vas manger, toi. Ouais. On va sur YouTube. La première vidéo dégustation qui tombe, c'est ce que tu dois manger. Oh, tu as vu que c'est sushi? Oui, c'est légumes. Ah. À mon tour de savoir ce que je vais manger, j'espère que je vais pas tomber sur des légumes ou un truc bizarre. Parce que c'est vrai que sur la page YouTube de Yacine, il mange pas de bons trucs. Et qu'est-ce que tu veux avoir? Bah, en vrai de vrai, moi j'aimerais bien avoir une pizza. On a déjà mangé de pizza à midi. Et alors, un burger? En vrai, des trucs bons, genre mode regard comme là. Pizza, frites. Vas-y, ok. La première chose sur laquelle tu tombes sur YouTube, tu dois manger ça. T'es prête? Les gars, j'ai hyper peur. Imaginez, je tombe sur des légumes. J'ai marqué ravioli ou des trucs comme ça. Vas-y, le premier repas que tu vas voir sera. Attention. Bim! Oh, burger américain! C'est quoi, regardez? Burger! Regardez ce qu'elle doit prendre. Burger wrap, nuggets avec des wings et tout et tout. Oh, c'est une dinguerie! J'ai dit, je voulais avoir des burgers. Regardez, il y a des wings, des trucs au fromage, il y a un wrap. Et je vais me régaler. Myriam, le livreur, il est arrivé. Oh, y'a Omar! Eh oui! Salem, comment ça va? Il y a de la graille! Omar, il est toujours. C'est moi le livreur. Ah bien. J'ai livré juste pour goûter. Oh là 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 là. Myriam, on partage dans la famille, tu connais. On est combien à manger là? Tu manges toi? Non, moi je mange pas. Vous avez 1, 2, 3. Non, tu manges pas toi. Quoi? C'est mon Uber Eats, tu vas pas laisser goûter tes pâtes. Oh là là. Est-ce que moi tu partages avec moi s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Oh, merci. Allez, Yacine, prends et tu me. Toi, il y a que Brian sur le banc. Yacine, regardez, Yacine est en train de faire quoi? Il est en train de préparer son équipe pour jouer contre mon équipe. Ouais, je prépare mon équipe du Family FC. Des serviettes. Ok, des serviettes. C'est pour toi les serviettes, Omar, je crois. Tiens, Yacine, tu peux te nourrir. Fais voir. Hey, tu m'as dit que tu partages avec moi. Ça sent pas bon. Une box Thunder. Fais voir, il y a quoi, Yacine, dans la première boîte? Attention, nous avons des Thunders. Et j'ai une nouvelle boisson, une nouvelle boisson. Sans. Ah, regardez la nouvelle boisson, vous connaissez ou pas? Pops. Ah, c'est Pops. Qu'est-ce que vous faites avec la serviette? Pourquoi vous reniez la serviette? Pepsos. Il y a rien, il reste. T'es sûr? Ouais, il y a rien. Le Big Burger. Finalement, j'ai pas un petit... Sérieux, fermé, la serviette est pue, dis la vérité, dis. Je me permets. La serviette, elle sent pas très bon. Et alors, c'est une serviette, tu l'as aimé? Eh, je rigole. Ah, mais ça se trouve, le mec qui a fait de la cuisine, il a dû faire ça. Pour la pêche, je vais manger un poulet, allez. Pourquoi je rigole avec toi? Bah vas-y. Alors Myriam, est-ce que t'es écœuré, on peut manger? Non, je mange toujours, y'a quoi? Attends, fais voir le burger, j'ai le droit de le sentir quand même, s'il vous plaît. Vas-y. Normalement, c'est du burger de haute qualité. On va manger juste ça.
Fais voir Yacine le burger. Regardez-moi ce burger. Oh là là, avec le pain fondant, my bad. Oh là là, j'ai faim. Oh là là là. Tu peux regarder un truc, s'il te plaît? Oh, par contre, attends. Ah, c'est un pistolet. Magnifico. C'est un pistolet. Non, Omar, il faut le tremper dans la pépé sauce. Dans la pépé sauce. Laisse le goûter, Miram. Il t'a. La procédure, c'est dans la pépé sauce. Bismillah. Wow. Voilà. Et là, un, tu peux croquer. C'est un pistolet. Toi, c'est pareil après. Attends, d'abord, Omar. C'est un pistolet. Dans la merde. Waouh. Sarté. Non, mais lui, j'aime bien parce qu'il dit vraiment son avis. Alors, surcoté ou sous-coté? Attendre. Pense à l'hiver, Black Ops 6, l'hiver. Bonne bonne épice. Oh, incroyable, franchement. Miriam, tu prends ton sandwich dans la pépé sauce et tu goûtes. Non, le sandwich dans la pépé sauce. Les sandwichs. Désolé, désolé, chef. Une bonne pépé sauce, bismillah. Waouh. Elle a un bon croc. Wesh. C'est vrai. Wesh. C'est vrai, c'est vrai. Faut le dire, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Incroyable. Y'a quoi? C'est délicieux. Mais dis-le, t'as le droit. Les gars, Omar, il m'a dit c'est dégueulasse. Dis-le, t'as le droit. C'est dégueulasse. Ça. Attends, mais par contre, je veux bien, mais dis-moi pourquoi c'est dégueulasse. Voilà, le poulet, il est horrible. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai mangé au poulet rôti. Ok. Vous connaissez. C'est délicieux, comparé à ça. Voilà, c'est dégueulasse. Vas-y, Myriam, goûte et dis-nous. Ah, si... Dis-nous ton avis, Myriam. Je suis vraiment déçu. Elle va dire ce qu'elle en pense. N'écoutez pas lui, là. Il dit n'importe quoi, il a un palais d'Oberman. C'est bon. Oh. Elle a dit t'as un palais de... Punchline. Elle a dit t'as un palais. C'est le pire poulet, je crois, que j'ai mangé de ma vie. Oh, punchline. Donc là, les gars, il y en a un qui dit c'est pas bon. Elle a dit c'est exceptionnel. Venez, petit code, venez le retrouver. Mais elle va mettre du caca dans son burger. Elle va dire c'est dégueulasse. Je vais prendre trop pour voir le burger. Qu'est-ce que t'en penses quand même? Le burger, mais j'ai peur. Voilà, déjà. Faut tester pour voir la vérité. La vérité. La vérité, la vérité. La vérité, on veut la vérité, la vérité. La vérité, les gars. Déjà, comment tu peux manger debout? C'est ouf. Ouais, franchement, je suis pas fan. Oula, je suis pas fan. Une note de 1 à 10, du burger? 3. Une. Ah non, ouais, voilà. Mais moi, je vais goûter ma pop. Le poulet, 1. Voilà, 1. Ça, c'est du ice tea. Non, c'est du citron. C'est Pops. C'est Pops. T'en penses quoi? C'est incroyable. Tiens, goûte. Dis que c'est pas bon. Je suis obligé de venir goûter parce qu'elle, avec ses avis classés. Dis que c'est pas bon. On dirait les avis sur Google. N'importe quoi. Les avis sur Google. Tout un palais, vraiment. Quelle une huître. Oh, wow, on a déjà un croc. C'est dégueulasse. Eh, hey, voilà. Attends, fais voir, ouvre la bouche. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Ah, je suis choqué. Ah. Ouais, l'hépatite B, hein. C'est pas normal. Je veux dire, c'est dégueulasse, mais vraiment. Attends, il mange sur mon lit là. Ce que je propose pour les départager, lui dit c'est pas bon, elle dit c'est exceptionnel. Alors, ce que je vais faire, goûte, c'est que je vais les emmener au laboratoire. Je les emmène au laboratoire. Je vais faire des essais. Ok, je reviens. Je vais au labo. Je vais voir. Je vais s'approcher de moi, chambre. Mais Rémi, mais t'as peur qu'il se ton burger. Va le rattraper, va le rattraper. Il a pas de laboratoire, ça existe pas, c'est pas vrai. Il y a pas de laboratoire, c'est pas vrai. Oh là là. Je vous certifie que c'est pas mal. C'est pas mal, tiens. C'était bon, franchement c'était bon. Tiens. Il a plus de burger. Y'a quoi? Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Bah les amis, on va vous laisser là, mettez un gros like, abonnez-vous. Pourquoi tu m'en regardes comme ça?